Nouvelle vidéo l'équipe et regardez qui j'ai ramené, c'est mon petit frère, comment ça va? Ça va très bien en tout cas. Ça fait longtemps qu'il était pas venu sur la chaîne YouTube, donc pour son retour les gars, explosez la barre de pouces bleus, vous pétez tout, je compte sur vous. Il va officiellement rejouer à Fortnite sur cette chaîne YouTube, ça fait des mois et des mois qu'il n'est pas revenu faire une game. Est-ce que tu te sens chaud? Franchement je suis chaud là. Tu penses faire top 1? Bah j'espère. Ce sera officiellement les gars son dernier top 1 avant le nouveau chapitre 4, car le nouveau chapitre 4 les gars, il va arriver dans quelques jours, on va en parler aujourd'hui. Et mon frère a quelques infos à vous donner et moi aussi. Pour me soutenir, vous pouvez mettre dans la boutique Fortnite le code PJP. Connais le code PJP? Bah pour pécho ça crush. Voilà les gars. Le code PJP pour pécho s'accroche, on connaît les bails, on est directement parti en game battle royale. Exactement. On se retrouve du coup dans le bus de combat et je sais pas encore où est-ce que je vais loot. En vrai tu me conseilles quoi? Un petit loot Tilted? Mec t'es un pro Tilted? Bah vas-y mec, c'est parti à Tilted Tower hein. En plus la ville en ce moment elle est jouée moyennement, c'est pas une ville de trad donc ça va. Ok, de toute façon je vais tous les exploser mec à Tilted Tower, tu vois, maintenant je suis devenu un professionnel hein. D'ailleurs on est là pour parler du chapitre 4 et dans le chapitre 4 es-tu au courant qu'il n'y aura pas Tilted? Il n'y aura pas Tilted, ils vont le supprimer. Les gars Fortnite font souvent ça, une saison il y a Tilted, une saison il y a pas Tilted, une saison il y a Tilted. Bah du coup chapitre 4, ce sera le chapitre où il n'y a pas Tilted. Ok, t'as déjà un petit fusil à pompe. Bon, pour le moment, il n'y a pas d'ennemis ou quoi? Bah, j'ai pas l'impression, hein, mec. Pour le moment, j'ai un fusil à pompe, donc ça va. Je vais essayer de me loot un petit peu plus. Je vais aller vers la maison qui est tout là-bas. Oh, attends, j'entends quelqu'un qui est dans le bâtiment, je crois. Il y a un joueur là? Bah, je suis pas sûr, mais j'entends des tirs en fait. Je sais pas d'où ça vient. Il y a moyen que ça vienne du bâtiment, donc à tout moment, je croise quelqu'un. Là-haut, regarde. Oh, y a un kill, y a eu un kill. Je vais essayer de prendre l'arme, mec, mais je le vois pas du tout. Je vais essayer d'aller le rush. Oh là là. Oh là là. Mais mec, mais tes constructions, elles sont dures. Ok, ok, je pense que comme ça, c'est pas mal. Ok, là, full rush, full rush. Cours, cours, sprint. Ok, okay, je sprint. Où est-ce qu'il est? Oh, il est juste là. Mais tu le. Parce qu'il m'embie. Ok, oh la tête. Wow, je l'ai explosé. Carrément, il arrive pas à parler, mon frère. J'ai dit n'importe quoi. Il y a un loup qui t'attaque aussi. Il est fou, lui. Allez hop, tu meurs. Est-ce que tu penses que les loups seront là au chapitre 4? Bah, franchement, je l'espère. Après, frère, il sert pas vraiment à grand chose. Non, moi, je trouve qu'ils sont chiants. Ils me saoulent en ce moment. Oh, il avait un bon stuff, il avait un sniper. Mec, je vais essayer de loot un petit peu tout ça. Hop, je chope son snipe. Bon, par contre, il y a un truc qui est intéressant que t'es pas au courant. Tu vas devoir retourner à Tilted. C'est une nouveauté qui était censée arriver au chapitre 4, mais ils l'ont mis en avance dans Fortnite. Ok, donc là, tu dois aller vers le début Tilted au niveau du van. Au niveau du van, ok, ok, je vais aller vers là-bas. Oh, ça tire dessus derrière toi. Attends mais il est fou lui. Sniper. Attends, mais ils sont trois. Qu'est-ce que tu veux que je joue sniper? Vas-y, une balle de snipe là. Une balle de snipe. Je prends le sniper, où est-ce qu'il est? Et que je le vois pas gros, il est passé où? Mais ils sont dans le bâtiment. Là dans le bâtiment. Dans le bâtiment. Regarde. Ah oui, ok, ok. Ok, oh, voilà le sniper. C'est focus. Et... Oh la balle. Oh, le flash cop les gars, on met des gros jets dans l'espace commentaire. Oh y'a mon chat. Attends, il reste un joueur à tuer. Mec, moi en attendant je continue à les éliminer hein. Oh y'a mon chat les gars, y'a mon chat carrément. Oh trop mignon. Je me sens persécuté, je suis un être sensible. On ramène le chat pour le top 1 les gars. Il faut qu'elle m'aide hein. Oh. Elle a dit abonnez-vous. Il y avait un truc que je devais te montrer, du coup va vers là-bas, ok, continue tout droit. Et regarde ce qu'il y a en face de toi là. Regarde là, tu vois ou pas? Oh, mais oui, ils les ont ajoutés, j'avais oublié. Il y a les voitures Rocket League mon ref. C'est le nouveau véhicule qui a été ajouté au dernier moment au chapitre. Parce que de base, dans tout chapitre, on a eu aucun nouveau véhicule. Et du coup c'est pour ça qu'ils devaient en rajouter un au dernier moment. Parce que comme tu le sais, le chapitre 3 va se terminer. Est-ce que déjà t'es hype un peu pour le chapitre 4? Franchement je suis méga hype, je te mens pas. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont rajouter. T'as des petites idées un peu sur ce qu'ils peuvent ajouter? Parce que moi j'ai déjà des petites infos que je vais donner à la communauté dans cette vidéo. Mais est-ce que toi t'as des petites préférences ou des petits kiffs que tu voudrais voir dans le jeu? Bah après moi je sais pas trop ce qui va arriver, mais j'aimerais bien voir des nouveaux véhicules. Parce que moi j'aime beaucoup ça, conduire des trucs, etc. Donc s'ils peuvent en rajouter, ce serait cool, tu vois. Et ce que bah je veux mon dire. Gars, moi je vais te régaler. Il y aura des nouveaux véhicules. Il y aura carrément des motos. Quoi? Ouais mon gars, il y aura les motos. Eh oui, des motos. Mec, depuis le temps qu'on en entend parler. Elles étaient d'ailleurs même censées arriver pendant ce chapitre. On sait pas pourquoi Fortnite les ont décalées au chapitre 4. Mais dans le chapitre 4, il y aura des motos. Et il y aura aussi un événement pour démarrer ce chapitre 4 qui sera le 3 décembre. Le 3 décembre? Ok, et ça va être quoi l'événement exactement? Pour le moment, l'événement, on sait pas encore ce que ça va être. D'ailleurs, si vous avez des théories dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à les donner. On a juste eu l'image de l'événement. Voici à quoi elle ressemble l'image. C'est une énorme tornade. Et honnêtement, on voit que l'événement, il va être badass. Tu vois, on voit qu'il y a une tornade. Tout va se détruire. Je pense que la map va être totalement cassée en deux. Bon, en tout cas, frérot, l'événement, il a l'air plutôt cool vu comment tu me le vends, tu vois, j'ai vraiment hâte de voir ça. Oh, y'a un genre en face de toi, fais gaffe. Oh, ok, là, il est juste ici. Je vais l'écraser, mec. Tu l'écrases avec la voiture? Non, je l'ai loupé. Vas-y, descends, tu l'as, Tommy. Mais t'es fou, j'ai dit que j'allais l'écraser, je vais l'écraser, j'en ai rien à faire. Ok, mais ça l'a pas tué, faut le tuer. Allez. Non, t'es trop nul. Allez, descends la voiture. Bon, allez, c'est bon, je m'a saoulé. Il va tuer? Ok, tue-le. Il va te tuer, ça se trouve. Mais non. Vise bien. Oh mec, j'ai peur. Et les gars, c'est un noob mon frère en vrai de vrai. Arrête. Ouais. J'ai mis des belles balles au sniper. Attends, par contre, regarde ce qu'il y a à côté de toi. Tu vois cette tornade? Ouais. Et bah ça, il y en aura plusieurs lors de l'événement. Plein de tornades vont se former et ça va commencer l'événement. Par contre, ça tire dessus là. Ouais. J'ai bien. Faut faire quelque chose frérot là. Il est explosé, où est-ce qu'il est lui? Il est juste là.
Hop les, let's go, je l'ai mis KO, je l'ai explosé. Mec, regarde, c'est un ballon de foot, je peux faire ce que je veux. Bon, mon gars, on est quand même là pour parler du chapitre 4. Toi, t'es en train de tuer les joueurs avec une voiture, ça n'a pas trop de sens. Du coup, est-ce que les tornades vont être là au chapitre 4? Elles vont toujours rester, on est d'accord? Non, frérot, elles sont pas là, ça j'en suis sûr à 100%. C'est un truc que pas beaucoup de joueurs utilisent. Oh, ça tire dessus. Ouais, attends, je vais écraser. Vas-y, tu peux continuer. On peut maintenant continuer un peu la conversation maintenant que tu l'as tué. Non, mais plus sérieusement, du coup, les tornades ne seront pas présentes et heureusement parce que c'est un truc un peu relou. Attends, il y a du fight là-bas, vas-y, va essayer de voir. J'ai même plus de carburant avec mon véhicule. Bon, bah, c'est quoi, je vais y aller à plier. Ok, rush. Vas-y, tue la poule légendaire. Quoi? Mais elle a un HP. Vas-y, là. Allez, hop, je l'extermine, mec, j'en ai rien à faire. Et je chope le légendaire. Là-bas, je crois qu'il y a du fight, je vais essayer d'y aller. D'ailleurs, le chapitre 4 va arriver. Est-ce que tu vas acheter le pass de combat sur ton compte? Bah, en vrai, à voir les skins qu'il y a à l'intérieur, tu vois. D'habitude, je les achète, mais là, cette saison-là, je l'ai pas trop kiffé, donc je l'ai pas acheté. T'as même pas acheté le pass de combat? Non, franchement, il était pas si fou que ça. À part pour Spider-Gwen, tu vois, j'ai pas trop kiffé. Les gars, on est d'accord dans l'espace commentaire. Peu importe ce que c'est, comme c'est le nouveau chapitre, il faut directement acheter le pass de combat. Il faut pas réfléchir. C'est juste un rageux, mon frère. C'est juste un rageux de Fortnite. Là, il achète. Oh, tu vas mourir, t'as failli te tuer avec le truc. La poule veut te tuer, hein. Sérieuse, elle? Mais comment ça se fait déjà, les poules, les attaques? J'avais oublié ça. Fais gaffe à la zone. La zone, ça arrive. T'es en top 18 actuellement. Tu peux faire ton dernier top 1 avant le chapitre 4, mais c'est compliqué. Hop les. T'es fort, sniper, en vrai. Ok, il y a une nouvelle voiture. Tu peux la récupérer, c'est bénef. Bon, bah, ça fait plaisir, hein. Est-ce que t'as hâte d'avoir des nouveaux véhicules à l'intérieur du chapitre 4? Parce que du coup, tu m'as parlé des motos, mais est-ce qu'il y en aura d'autres? Pour le moment, les gars, on n'a pas encore d'informations, mais il y a un truc qui est cool au chapitre 4. Fais bien de m'en parler. Il y aura un nouveau mode créatif. C'est le créatif 2.0. Oh, ça va apporter pas mal de choses, ça. C'est vrai que les gars, le créatif 2.0 va apporter énormément de nouveautés sur le jeu. On pourra faire des maps totalement de A à Z. Et c'est officiel, ce sera dès le début du chapitre 4. Ce sera entre le mois de décembre et le mois de janvier. Fortnite l'ont déjà mis sur Twitter. Oh, y a un joueur. Oh, t'as loupé la balle. Oh, c'est dommage. Vas-y, vas-y, faut le tuer. Non, mais ton shoot. Non, mais mec, ça va, il bouge partout aussi. Et du coup, comme j'étais en train de te le dire, le mode créatif 2.0 va nous permettre de faire des maps de A à Z. On va pouvoir modéliser du sol. Oh, il est mort par la poule. Quoi? C'est la poule qui l'a tué? C'est la poule qui a tué le joueur, c'est n'importe quoi. Et bah, tu sais quoi, je tue la poule. Ah non, attends, ça fout, j'y arrive. Let's go, je l'ai tué. Et avec le mode créatif 2.0, on pourra faire carrément des personnages Pokémon dans le jeu, des personnages Mario. On pourra tout faire dans Fortnite, tout sera possible. Ce sera comme si c'était un tout nouveau jeu. Le créatif 2.0, les gars, faut vraiment se dire que quand ça va arriver au chapitre 4, c'est comme si Fortnite, il y avait un clone. C'était Fortnite numéro 2, donc ça va vraiment être une dinguerie. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler. Et puis clairement, bah, ça va être la communauté qui va développer le jeu. Ouais, moi d'ailleurs, je vais essayer aussi de faire des jeux Fortnite avec Creative 2.0. Ça peut être cool, hein. Ça peut être super cool. T'as quand même fait déjà beaucoup de kills, hein. T'as 7 kills, c'est vraiment pas mal. Mais il faut pas s'arrêter là, frérot. Objectif top 1 10 kills, tu vois. Je compte sur toi. Je pense que je peux faire les 10 kills, ok. Je vais essayer. Ça tire, okay, ça tire. Okay. Allez, là, tu vois. Ok, je le vois. Vas-y, rush. Il y a la zone aussi, fais gaffe derrière toi. Derrière le caillou. Ouais, sniper. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de fuir. Y'a la zone mec. Hop les. Attendez, j'arrive, je sais pas si je l'ai mis KO. Il faut courir en zone là, quoi qu'il arrive. Ok, ça va, j'ai réussi à le tuer, j'avais même pas remarqué. Oh, ils sont là. Je chope le sniper. Ouais, mais okay, tu trembles trop. Chill. Mais mec, mais je loupe toutes mes balles, qu'est-ce qui m'arrive? T'as un shoot, il est désastreux, c'est insatisfaisant. La zone, va en zone. Okay, okay. Heureusement qu'il y avait de l'eau, mec. Cours. Attends, y'a des gens qui sont juste ici. Tu vas tuer là. Mais non. Descends du véhicule. Okay. Build. Oh, c'est stressant là. Mec, j'ai quasiment plus de vie. Prends le APM lui au moins, je sais pas, fais un truc. Ok, c'est bon, je l'ai mis une balle. Ok, deux balles, let's go. Là, lui, tu peux le tuer. Non, je l'ai loupé. Regarde, ça tire dessus aussi l'autre. Mec, l'APM elle marche de super loin, c'est un truc de fou. Tu perds des kills là, faut faire des kills là. Ok, et l'autre, maintenant faut tuer l'autre. Où est-ce qu'il est là-bas? Ok, je le vois. Ok, c'est une balle. Rush le pont. C'est ma dernière balle. Rush le pont. Non, j'ai loupé. Vas-y, je vais le rush. Les gars, build. Il me fait peur, je suis bloqué, qu'est-ce qui m'arrive? Reste focus. Gros, je suis stressé. Ok, attends, je vais essayer de choper le pistolet qui est juste ici, mais que je suis pas du tout. Non, ça c'est dangereux. C'est dangereux, j'en ai rien à faire, je l'explose. Il a réussi à faire le kiss, n'importe quoi. T'es en top 2, mec, il reste que un seul joueur en face de toi. Okay, si tu gagnes, tu fais officiellement ton dernier top 1 avant le chapitre 4. Mec, franchement, ça met un peu de pression là, je te mens pas. T'as 11 kills en plus, ça va. Déjà, t'as fait l'objectif des plus de 10 kills, t'as réussi, ça a vraiment bénéf. Mec, en plus de ça, je crois que je les ai tous fait au sniper quasiment, c'est un truc de fou. Ah, mais t'as loupé toutes tes balles aussi. Wow. T'as oublié de le dire ça, hein, t'as oublié. Oh, il est juste en bas. Okay. Hop, les, j'ai mis à part balle. Vas-y. Oh là là, je l'ai explosé, gros. T'as réussi à faire ton top 1, les gars. C'était son dernier top 1 avant le chapitre 4. Je le répète, l'événement du chapitre 4 sera le 3 décembre à 22h. Je serai en live, les amis. N'hésitez pas à venir sur mon live pour voir l'événement et tout simplement découvrir le nouveau chapitre. Si vous kiffez les vidéos avec mon frère, abonnez-vous, activez la cloche, mettez un gros pouce bleu et n'oubliez pas le code PJP pour me soutenir. C'était Power. Bye bye. Salut.